Bonjour, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous transmettre les messages pour cette nouvelle lune, les messages que vous avez à recevoir pour cette nouvelle lune. Alors, on va commencer déjà par les messages. Je vais faire deux vidéos différentes. Je dois vous transmettre au niveau du professionnel, donc les messages pour cette nouvelle lune dans le domaine professionnel, la sphère professionnelle. Et là, ça va être vraiment, je vais faire déjà commencer par la sphère sentimentale, voilà, relationnelle, familiale, etc., etc. On va voir ce qui ressort pour cette nouvelle lune, ce qu'on vous recommande, des petits conseils, etc., etc. Ce qui se bloque, ce qui se débloque, ce qui arrive à vous. Des surprises positives, des surprises négatives, hein, comme vous savez, on ne peut jamais trop savoir. C'est la vie qui est comme ça. Voilà. Mais donc on va voir. On va voir déjà pour cette nouvelle lune, donc qu'est-ce qui arrive vers vous? Déjà dans votre domaine sentimental. C'est du général, vous prenez uniquement si ça résonne au plus profond de vous. Faites bien preuve de discernement. Et on va commencer. Je ne sais jamais donc sur quoi ça va porter, mais on commence. Alors. Donc, on va prendre donc pour votre domaine sentimental. On peut voir. On va voir déjà l'ange qui va vous accompagner pour cette nouvelle lune. Et après, je ferai vraiment une vidéo professionnelle pour voir ce qui arrive. Alors, ce sera professionnel, professionnel financier. Allez, on prend celui-ci. Alors, il y a l'ange Isaïa qui sera auprès de vous durant cette nouvelle lune. Il va y avoir des nouvelles idées, beaucoup, beaucoup de changements dans votre vie. Soyez prêts, hein, à les accueillir. En tout cas, vous êtes surveillés, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Autant sur Terre, par vous-même, vous dégagez en fait une protection. Une protection, vous êtes peut-être dans la surveillance, peut-être vous auto-guidez. Vous vous protégez. Et je vois aussi une personne autour de vous qui vous surveille, qui vous guide et qui vous protège. Peut-être que vous ne savez pas encore, peut-être que cette personne ne s'est pas encore manifestée à vous. Ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être familial, ça peut être collègue, ça peut être ami. Voilà. En tout cas, il va y avoir l'heure est propice, il y a des nouvelles idées. Faites jaillir toutes ces nouvelles idées. Vous allez réussir. À opérer tous ces énormes changements, ça peut être bouleversant, ça peut être émouvant, ça peut être, vous pouvez avoir la larme à l'œil, ça peut être intense, ça peut être un petit peu choquant, mais positivement, vous voyez, c'est les bons électrochocs, c'est les choses positives. Vous êtes surveillé aussi, vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi dans les cieux. Il y aura l'ange océan, donc durant cette nouvelle lune, agissez. Vous savez au plus profond de vous ce qui est juste dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et pour moi, vous devez vraiment vous affirmer et croire en vous. Affirmez-vous et croyez en vous. Affirmez-vous, mais dans l'équilibre. Pas. Pas trop d'affirmations parce que plus on est dans l'affirmation, plus on est dur. Donc voilà, on s'affirme. Croyez en vous, affirmez-vous et agissez. Mais ça, agissez, là c'est pas dans l'équilibre, c'est vraiment faut foncer. Là c'est agissez, agissez. Des fois on vous dit agissez doucement dans l'équilibre aussi, agissez, voilà, prenez votre. Là non, c'est j'ai l'impression qu'il faut foncer. Foncez. Prends ce magnifique oracle, on va voir. Nous, dans votre domaine sentimental, pour cette nouvelle lune, ce que je peux vous apporter, partager avec vous, celui-ci. Alors, c'est l'hippopotame. Vous allez émettre la paix. Émettez la paix. En vous, la paix doit se dégager déjà de vous, de votre âme, de votre cœur, de votre esprit. De votre corps. Voilà. Émettez la paix. La paix.
Je vois de la paix aussi qui arrive au niveau de votre sentimental. Il y a une énergie de douceur, de paix. Peut-être que vous avez jamais en fait senti, ressenti en fait cette paix, cette sécurité, cet appui, cette douceur, on est dans la paix. Vous allez être tranquille, vous allez être en sécure aussi dans votre sentimental et vous allez accéder à l'inaccessible. Dans votre domaine sentimental. Alors, vous allez accéder à l'inaccessible, mais des fois, il y a le mental qui peut faire refaire surface, en fait, hein. Mais lâchez le mental et allez vraiment de l'avant, comme ce kangourou. Et mettez la paix. Allez de l'avant, parce que même s'il peut y avoir une ou plusieurs tempêtes, de toute façon, vous savez, pour moi, vous savez prévoir les tempêtes, vous pressentez, vous ressentez. Avant même que ça soit là. Donc allez de l'avant, n'ayez pas peur, lâchez le mental, vous allez accéder de toute façon à l'inaccessible. Vous savez prévoir les tempêtes, donc peu importe d'ordre quelle qu'elle soit, ces tempêtes, vous saurez y faire face. Vous serez en capacité d'y faire face et de sauter en fait, hein. De prévoir des tempêtes, donc de les prévoir en avance ou alors quand elles sont là. De les franchir et d'aller au-dessus, en fait. D'apporter une ouverture de possibilités, un déblocage, quelque chose qui se libère. Vous aurez toujours une solution, toujours une opportunité, toujours. Vous voyez? Ça sera. Voilà. Ok. bien. J'étais en train de chercher. C'est pour ça. Alors, je vais vous transmettre donc un message que j'ai canalisé pour vous. Alors, pour le sentimental, pour cette nouvelle lune, donc j'ai écrit de si bon matin. Je vois une accélération, en fait. Je vois l'accélération pour moi d'une personne. Pour moi, c'est la personne de votre cœur. Je vois une personne. Je vois une personne qui va être dans l'accélération en fait, pour vous dire que vous lui manquez. Cette personne peut être très intimidée, très peureuse, mais vraiment avec une envie énorme. On me parle, je vois qu'il va y avoir des rapprochements durant cette nouvelle lune. Ces rapprochements vont chambouler, hein. Vont vous chambouler pour moi. Vous pouvez déjà sentir en fait, avant même qu'il y ait ces rapprochements, vous pouvez être totalement chambouler. Vous pouvez vous ressentir autant l'un que l'autre en fait. Je sens que vous pouvez ressentir quelque chose dans votre ventre. Au niveau de votre physique, vous ressentez autant comme si vous étiez reliés tous les deux par le ventre en fait et que vous ressentiez par le ventre. On parle de rapprochement. Je vois cette personne qui peut se retenir en fait de se rapprocher de vous. Mais je vois en fait que plus on se retient, plus c'est pénible et plus c'est dur en fait pour cette personne. On combat. Pour moi, on peut combattre.
Mais ça, je vois que cette personne peut en souffrir. On me parle de tout. Je vois un engagement et des discussions qui vont se faire vraiment sans tarder durant cette nouvelle lune. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre donc pour votre sentimental. Bien. Je vais prendre ce magnifique oracle. On va voir un petit peu le message que je peux vous transmettre donc pour cette nouvelle lune. Je prends ce magnifique oracle. Ah, attendez. J'ai chaud. Donc, je prends ce magnifique oracle. On y va avec celui-ci. Je prends ce magnifique oracle. On y va avec celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour la nouvelle lune, qu'est-ce que... Alors, ici, je vois une rencontre qui va se faire. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Peut-être que vous seriez, en fait, tenté... Ou vous pourriez peut-être prendre une décision en fait très très vite à la va-vite. Peut-être qu'il faut descendre vos émotions, de pas aller trop vite en fait dans le choix, dans la décision que vous allez. Vous pouvez être cette femme. Je vois cette femme qui va se bloquer en fait, qui va se bloquer à une personne, à une nouvelle personne qui va arriver. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui va arriver que vous connaissez. On va se bloquer. On va se bloquer pour moi. Ou alors, on pense dire non à cette personne. On n'est pas sûr de dire oui. On va avoir un choix à faire. Il va falloir qu'on prenne une décision. Va falloir. Voilà. On ne sait pas pour l'instant. J'ai une femme qui est en pleine réflexion. On ne sait pas en fait. Et c'est lié vraiment à une réconciliation. Hein, une réconciliation dans son domaine sentimental. Avec une personne. Voilà. C'est une réconciliation qui se fera dans la paix et dans l'amour. C'est peut-être une personne qui va venir vers vous durant cette nouvelle lune pour vous proposer une nouvelle rencontre ou une réconciliation. Ensuite, je vois qu'il y a une personne qui va vous. Il y a une invitation qui va arriver à vous. Et pour moi, vous allez vous engager. Hein. Il y a une demande, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être un cadeau, une surprise, quelque chose de magique. Et en fait, il y aura une union, une demande d'engagement. Ça peut même être une demande en fiançailles. Cette personne assume votre relation. Vous êtes une source d'apprentissage autant l'un que pour l'autre. Vous allez peut-être travailler ensemble aussi. Je vois que vous avez de grandes capacités, un grand savoir, beaucoup d'apprentissage à l'intérieur de vous. Ça peut être inné, ça peut être de l'apprentissage que vous avez fait par votre cursus professionnel, un cursus de formation, un cursus, voilà. Ou alors vous avez vraiment fait c'est un apprentissage inné qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez être une personne hypersensible, HPI, sensible. Pas les deux, une personne sur les deux. Pour moi, c'est cette femme. Il peut y avoir une femme qui soit HPI au potentiel intellectuel, hypersensible. Et pour moi, en fait, vous allez travailler ensemble, vous allez former un beau duo en fait pour ressortir en fait un travail qui sera dans vos énergies autant avec la personne de votre cœur que vous en fait. Un travail à vous, à rien qu'à vous. Ça peut être un travail pour aider les autrui en fait à faire évoluer des situations, peu importe quelles qu'elles soient. Et je vois quelque chose qui va naître.
Vous allez peut-être ouvrir une entreprise, une auto-entreprise, ensemble. Je vois quelque chose qui va naître professionnellement. Vous allez faire un engagement. Il y aura un engagement aussi qui sera solide, stable, sûr. Ça va tenir extrêmement bien la route, le choc, les années, et ça va perdurer dans le temps. Vous allez mettre au monde un projet ensemble dans les 3 mois. Donc c'est dans les 3 mois, c'est pas après 3 mois, c'est dans les 3 mois. Cette personne assume votre relation, il y a une demande d'engagement, une demande de fiançailles, un mariage. Et avant, on passe par une réconciliation et on peut enchaîner tout ça après. Et puis, je vois aussi soit une demande de sortie, ou une surprise qui arrive à vous. Il y a une surprise qui arrive à vous. On peut... Je vais aller voir le nom. Ça peut être aussi un mariage dans les 3 mois. Hein, d'ici ces 3 mois. Si vous vous fermez, en fait, vous avez peur que la personne de votre cœur vous mente. Mais regardez, vous allez vraiment former un couple. Et cette personne va vous donner son cœur. Donc vous allez peut-être avoir un petit peu peur des mensonges, douter un petit peu sur le coup, hein, parce que ça risque d'être énorme, tellement magique en fait. Et après, en fait, après, bah, ça va se dissiper. C'est sur le coup en fait. C'est sur le coup des émotions. Voilà. Alors, je vais prendre un message. Ce que la personne de votre cœur a à vous dire. Cette personne vous dit oui, bien sûr. Elle vous dit un grand oui, cette personne. Il peut y avoir un malentendu, en fait, que vous n'avez pas réglé ensemble. Et cette personne veut vraiment, durant cette nouvelle lune, vraiment discuter avec vous, hein. Cette personne ne veut pas vous laisser repartir en fait sur un malentendu. On ne veut pas vous laisser comme ça. Vous voulez dire aussi à cette personne qu'il est vraiment important que vous soyez heureuse en fait, avant même d'être heureux en couple avec cette personne. Et ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous travaillez à votre bonheur. Que vous vous sentiez bien à l'intérieur de vous, que vous soyez voilà, en joie, en santé, en bien-être, que vous vous sentiez très très bien. Vous dites à cette personne aussi que cette personne vous accepte tel que vous êtes. Eh, on se réconcilie. Là, on va... Voilà, cette personne pour moi va venir vers vous pour... va vouloir vraiment se réconcilier. Hein. Il y a une réconciliation. Je l'ai 2 fois, donc pour moi, ça arrive. Hein. Pour cette nouvelle lune. Voilà tout ce que je pouvais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez, chouchoutez-vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À très très vite.